Voici l'aboutissement de deux années de compétition. Quelle histoire ce match. Plus de 200 nations ont pris part aux éliminatoires et à l'arrivée, 32 qualifiés seulement que nous avons retrouvés dans cette phase finale. Et au terme d'un mois de compétition intense, ils ne sont plus que deux à s'affronter aujourd'hui pour le titre suprême. C'est un match dont rêvent tous les footballeurs dans le monde entier. On a hâte de vivre cette finale avec vous. Ça commence dans quelques secondes. Quelle émotion de voir ce stade rempli jusqu'au dernier siège. Bon, chaque joueur a ses petites manies, ses petits rituels d'avant-match. Mais je donnerais très la frappe. Oh, le gardien est là, la classe. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi je la voyais dedans. Ce sera le premier corner du match. Neymar, oh, c'est contré, qu'il était bien placé. Heureusement qu'il était là, son gardien était battu. C'est joué long. Cristiano Ronaldo. Et le gardien n'a même pas eu à intervenir. Ça va sûrement faire réfléchir à la défense. Presser plus haut ou laisser des adversaires tirer de loin. Rabiot. Quelle séquence de passes, collectivement c'est parfait. Il tente de la jouer dans l'espace. Un bon ballon dans la profondeur. Le bon dribble. La France a frappé le corner. Allez, essayez d'être précis, toucher un coéquipier. Un peu d'oxygène pour sa défense. Vous avez remarqué quand les latéraux montent, quoi ? Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non ? À mon avis, c'est pour forcer les ailiers adverses à redescendre. Plus ils sont loin de votre cage, moins ils peuvent causer de dégâts. Voyons ce que va donner ce corner. Il met la tête ! Oh non, sa tête n'est pas cadrée. Oh là 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 là, je ne trouve pas les mots. Pathétique ! Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Mbappé. Hernandez. La passe dans la profondeur. Il la tente. Et il rate le cadre. Passe en retrait vers son défenseur. Il joue dans l'espace. Tant qu'on le garde dos au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Quelle passe. La France qui cherche l'ouverture. Il ne se pose pas de questions. La France qui récupère ce ballon. On les marre. Pour trouver la faille dans la défense. Mbappé ! Joli tir, ça méritait d'aller au fond. Oh là là, pas de bol, ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Saint-Maximin. Le Portugal qui cherche l'étincelle. Si vous nous rejoignez, sachez que vous n'avez manqué aucun but, mais alors aucun. Il glisse le ballon en profondeur. Juan Cancelo. Centre à ras de terre. C'est une remise en jeu. C'est joué long, attention.
Le gros dégagement. La passe dans la profondeur. Un ballon devant la cage. C'était bien fait, mais il manque le dernier geste. Il y avait du monde dans la surface là, c'était une belle occasion. La tête! Ça s'est joué à rien. Ah! Ça aurait pu faire, donc je ne sais pas passer loin. Ruben Neves qui récupère directement le ballon. Ça manque de soutien dans la zone de vérité. C'est joué long, attention. C'est dégagé, loin devant. Saint-Maximin qui écarte le jeu. Rabiot. Il glisse le ballon en profondeur. Et bon centre dans la surface. Et il manque le geste décisif. On voit qu'ils ont vraiment envie de ce but. Vous avez vu le nombre de joueurs qu'ils avaient dans la boîte ? Danger repoussé pour le moment. Et ce ballon vers ses attaquants. C'est dégagé. Touche. Et ils essaient de repartir de derrière. Ça joue long vers l'avant. Ils tentent de la jouer dans l'espace. Oh, la frappe! Et c'est au fond, but! Idéalement, il fallait ouvrir le score avant la mi-temps. C'est fait! Et le timing est absolument parfait, ce qui n'est pas étonnant venant de lui. La défense l'a un peu oublié, manque de concentration. Il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But! Elle fait du bien, cette ouverture du score. C'est toujours très important de marquer le premier but, bien sûr, mais surtout dans une finale. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Raphaël Varane. Hernandez. L'ouverture du score juste avant la mi-temps, ça fait toujours du bien. Il mène donc 1-0. Pour trouver la Mbappé. Oh, c'est dedans. Et ça fait 2 buts en l'espace de quelques minutes. Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure. Et au bout, il y a but. Et désormais, il en est à 3 buts dans la compétition. C'est la mi-temps dans cette finale. Que s'est passé vite jusqu'ici? On vient de vivre les 45 premières minutes de cette finale. Alors, premier bilan. Il mène au score et c'est plutôt mérité au vu de cette première période. Mais bon, il reste encore beaucoup de temps. Alors, faut pas trop s'emballer. Tout peut aller très vite. 2 buts d'avant. La frappe! C'est cadré! C'est but! Et c'est un but très très important. L'entame parfaite pour cette seconde période. Il faut dire que dans cette position tout seul, il ne manque pas souvent sa cible. Et voilà ce qui se passe quand vous laissez un joueur comme lui libre dans la surface. Et c'est quasiment suicidaire. La frappe, attention! Oh, c'est un arrêt important ça! Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. Quelle détente! Ah, dommage, ça ne passe pas loin. Oh là là, pas de bol, ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Lemar, il glisse le ballon en profondeur. La passe dans l'axe. Oh, quel geste! Il tire et il marque! 2 buts d'avance, la différence est faite. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez, on ne raconte pas que des bêtises quand même. Bien, c'est reparti. Et il y a maintenant 2 buts d'écart. Ils ont creusé l'écart. Et s'ils allaient en chercher un autre? Il allonge. Hernandez. Qui est récompensé de son pressing. Un long ballon vers l'avant. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Gelson Martins. C'est un bon ballon.
Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Bien servi. Et cette défense d'Arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans le dos. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Eh oui, faute. Coup franc. Oh, l'arbitre est généreux. Toujours pas de carton. Et pourtant, ça méritait une sanction. Il va falloir qu'il se maîtrise un peu mieux, parce qu'il reste encore du temps dans ce match. Je me demande s'il va oser frapper directement. C'est magnifique! C'est exceptionnel! Alors ça, c'était vraiment la grande classe. C'est tout simplement incroyable! Magic! Voilà, qui met sans doute un terme définitif à tout suspense. Oh, quel geste! C'est magnifique! Il savait qu'il pouvait marquer de là où il était. Après, rien à dire sur l'exécution. Et le doublé! Il compte désormais 3 buts d'avance. Quaresma. Avec Ronaldo. Et il tombe sous la pression. S'il le trouve, il y en a un qui a le droit à un traitement de faveur. Oui, mais il aurait fallu le faire avant qu'il marque. Bon, au moins ils essayent. Cristiano Ronaldo. Rabiot qui récupère ce ballon. C'est osé. L'arbitre signale une faute. Lemar. Ça ne passera pas. Et ils vont effectuer cette touche. La passe est précise. Lemar. Oh, Rui Patricio. Quelle intervention. Quaresma. Oh, Cristiano Ronaldo. Il préfère jouer avec son gardien. Rabiot. Il décide d'allonger le jeu. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Va-t-il en profiter? Oh, ils l'ont échappé belle. Faut que ça va partir vite. Quaresma. Oh, Cristiano Ronaldo. Il peut tirer. Faute, oui, faute. Et coup franc à venir. Oh, l'arbitre est clément sur ce coup-là. À la prochaine faute, il sortira le carton, c'est sûr. Il va peut-être falloir lui parler, parce qu'il ne peut pas continuer comme ça. La prochaine faute, ce sera carton. Le bon dégagement. Ça joue à gauche. La passe dans la profondeur. Ronny Lopez qui cherche la profondeur. Cristiano Ronaldo qui choisit le côté gauche. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Il est passé. Oh, le bon ballon! Faut tirer là! Et voilà, but! Des joueurs en feu, des fans en délire, ils marchent sur l'eau! Oh, l'opportuniste! Et quelle efficacité! Quel attaquant est très opportuniste, oui! Mais quelle mésentente de la défense! C'est le bazar! La faute! Mmh.
Mbappé. Oh, il a pris des risques, ce sera un coup franc. Le Portugal qui compte maintenant deux joueurs avertis. Un peu d'oxygène pour sa défense. Il avance bien. Pogba. Pour trouver la faille dans la défense. Mbappé. On n'est pas passé loin d'un score de tennis. Ruben Neves. Il s'est récupéré facilement. C'est bien donné. Il peut y aller. Attention la frappe. Bel arrêt. Quaresma. Le Portugal qui peut avancer. Allez. Pogba à droite. Mbappé. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est bien fait ça. Il y a peut-être un coup à jouer. Hernandez. Il adresse un centre rasant. Mbappé. Et c'est un but. Oh là 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 là. Mais quelle démonstration. Bon, honnêtement, je commence à avoir mal pour eux. Ouch. Deux buts déjà dans ce match. Et c'est le coup de sifflet. Finale dans un stade qui gronde, qui trépigne. Oh, leur rêve qui se réalise. Ils sont champions du monde. Et ils s'en souviendront longtemps de cette journée, de ce match, de ce trophée, de cette gloire. Bravo, messieurs. Bravo pour cette coupe.